Je suis chargée des partenariats et innovation dans un domaine d'innovation qui s'appelle bioraffinerie et produits biosourcés, IRAE. Donc, je suis également référente impact du pôle partenariat du département Transform IRAE. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation de sensibilisation, d'information. Sur l'innovation, le rôle qui joue la recherche dans le processus d'innovation et surtout comment protéger les résultats des travaux de recherche que vous faites enfin, en tant que chercheur et chercheuse. Heliospire, notamment, c'est un réseau donc très, très actif, très dynamique de ce point de vue. Et donc, il est vraiment important en tant que scientifique, de la, acteur et actrice de la recherche publique. Protéger nos travaux et donc et les intérêts de la recherche publique. Donc, dans un premier temps et dans un deuxième, je vous propose de faire un petit focus sur la recherche partenariale, hein, ça va être rapide. Comme je le disais, moi, je suis INRAE, chargée des partenariats innovation INRAE, mais donc INRAE a choisi d'organiser donc ses compétences. Un domaine d'innovation, donc il y en a 15, moi je suis CPI avec mon collègue Jean-François Ballester sur un de ces domaines, mais sachez que dans tous les instituts de recherche publics, le CIRAD, l'IRD, etc., on a l'équivalent. Donc en fait, moi ce que je vous présente aujourd'hui, c'est évidemment un focus par rapport à mon expérience, à ce que je connais d'INRAE, mais dans les autres instituts public, vous trouverez aussi des gens donc pour vous aider et pour vous informer. Donc tout d'abord, très rapidement, en fait, c'est quoi l'innovation? Parce qu'il y a souvent on confond ou on fait le lien en fait entre invention et innovation. Donc l'innovation arrive lorsque une nouvelle idée, un concept, donc une invention trouve un usage, un utilisateur, hein, ou des utilisateurs, un marché. Et donc, on peut dire enfin, il se distingue par un succès, donc ça veut dire que ça a été appliqué et adopté. Donc, cette innovation, elle peut ou pas provenir, enfin, venir être le résultat de la recherche, hein. Parfois, on fait des innovations sans qu'il y ait de la recherche. Mais aujourd'hui, dans ce qui nous concerne, évidemment, la recherche est un levier essentiel du processus d'innovation. Donc là, j'ai essayé, donc j'ai repris quelques schémas, on va dire, classiques pour expliquer le processus d'innovation, en fait, de façon générale. Donc là, vous pouvez voir à gauche, donc vraiment, donc on parle des TRL, donc de Technology Readiness Levels, donc les niveaux de maturité technologique d'une idée, d'un concept, enfin d'une innovation. Donc, on voit à gauche tout ce qui est donc la recherche publique, hein. Nous, on est des chercheurs et des chercheuses, des scientifiques. Notre mission est de produire de la connaissance. Cette connaissance, et donc voilà, c'est les TRL 1 étant vraiment l'idée sur la feuille, sur le papier, et voilà, donc après on passe à la thèse de faisabilité, etc. Ensuite vient une partie qui est le développement technologique, qui peut être, là c'est, on parle voilà, validation des preuves de concept, démonstrateur, échelle pilote, etc. Prototype, donc là il y a beaucoup d'entre vous qui sont concernés, qui peuvent être concernés donc par ce stade. C'est pour ça que si vous voyez la flèche à gauche, je l'ai mis en réalité cette flèche. On a beaucoup et de plus en plus des instituts de recherche qui participent au développement technologique. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure avec un exemple. Ensuite, donc la dernière partie vers la droite, c'est vraiment l'application ou l'acceptation, enfin la commercialisation d'un produit ou d'un service, ou enfin commercialisation ou application, parce que je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on ne parle pas, lorsqu'on parle de valorisation et d'innovation, ce n'est pas uniquement la valorisation économique.
il y a aussi on peut valoriser des innovations d'un point de vue social. Donc c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, il n'y a pas que la valorisation économique. Donc, désolé d'utiliser des termes un peu barbares, hein, mais ça c'est vraiment pour qu'on ait une idée. Lorsqu'on parle d'innovation, en général, on parle de deux types d'innovation, mais qui sont souvent liés. Enfin, il peut y avoir donc un processus itératif entre les deux, qui est celui de technologie push versus market pull. Grosso modo, et surtout dans le cas qui nous concerne, nous, acteurs de la, actrices de la recherche, c'est le technology push. Ça veut dire qu'il y a une avancée technologique, un nouveau concept, une invention donc, qui va suivre ce processus donc, de développement jusqu'à être commercialisé venir répondre à un besoin du marché, hein, sachant que, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce qui fait la différence entre l'invention et l'innovation, c'est justement ça, le fait qu'on est passé à une commercialisation ou à être adopté par la société. Et de là, de l'autre côté, donc on a le market pull, donc ça, pull, ça veut dire qu'on a, donc ça part plutôt de la droite vers la gauche. Ça veut dire qu'il y a un besoin qui est exprimé par le marché ou par la société et avec une demande précise. Et c'est là que donc, ça se déplace vers la gauche, là avec des échanges et des collaborations avec les chercheurs et les chercheuses, bah, on arrive donc encore dans ce cycle de production des connaissances, des développements, pour faire un produit. Alors, donc, l'innovation, donc là, je sais qu'il y a beaucoup des scientifiques qui sont un peu réticents à parler d'innovation dans la recherche, parce qu'ils disent non, mais voilà, il y en a marre, la recherche, ça sert à créer de la connaissance. On est tous d'accord, mais nos travaux de recherche, enfin, les scientifiques, en réalité, sont aussi, enfin, des experts. Hein. Lorsqu'on discute avec des industriels, nous en tant que chargés des partenariats innovation, nous ce qu'on essaye de faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, bon, de protéger les intérêts de la recherche publique. Et une des choses qu'on fait, voilà, c'est faire comprendre aux industriels que les chercheurs, ben, il y a vraiment une valeur ajoutée de la part dans les compétences des scientifiques. Donc, il y a de plus en plus, je disais, d'intérêt de la part de l'industrie qui va venir chercher ce qu'on fait dans les instituts publics pour développer, voilà, et trouver des solutions à des problèmes, par exemple. Donc, si on prend donc l'exemple de la recherche, donc on se place, donc ça c'est ce cercle qu'on appelle le cercle de l'innovation, donc tout en haut vous voyez, donc ça c'est la recherche. Ensuite, cette procédure, pardon, une parenthèse, comme je disais, c'est à peu près, c'est assez classique, hein, c'est l'association Curie donc, qui a fait donc, ce schéma. Et donc, je disais, vous pouvez trouver, parce que tout à l'heure, je vais parler des acteurs qui peuvent vous aider à chacune des étapes. C'est à peu près, ça a été fait pour INRAE, mais vous trouverez le même schéma dans vos instituts de recherche si vous n'êtes pas INRAE. Donc, je disais, une fois que la recherche a été, enfin, qu'on a arrivé à un résultat de recherche, il y a dans un premier temps une détection qui est faite au niveau en général de l'unité aussi, parce que peut-être que les chercheurs, ils ont déjà quand même une idée de ce à quoi ça peut servir. Et la première chose à faire, c'est toujours faire une déclaration d'invention. Donc, dans ce cas, le nom, c'est INRAE, c'est déclaration d'invention et des résultats valorisables, mais ça peut changer, le nom peut changer, mais c'est toujours ça, puisque ça va créer, voilà, ça va mettre un point à date sur cette déclaration d'invention ou de résultats qu'on pense valorisables. Ensuite, l'étape d'après, c'est de protéger cette idée. Donc cette idée, soit elle peut être, voilà, donner lieu à un brevet, un savoir-faire, certificat d'obtention végétale, peut-être tout simplement à une publication, hein, ce que la plupart du temps arrive. Donc, il y a ces résultats-là, en fait, on va faire une publication. Ensuite, on peut ou pas
en fonction de ça, demander ou chercher un financement pour faire de la pré-maturation ou de la maturation dans le cas où on pense que cette idée peut donner lieu à une création d'entreprise. On peut aussi faire un contrat de recherche avec un industriel, mais ça on le verra dans la deuxième partie de ma présentation. Et voilà, et après, c'est donc l'innovation, donc si ou pas, hein, puisque parfois, malheureusement, beaucoup toutes les entreprises, tous les projets d'entreprise ne voient pas le jour ou ne se maintiennent pas. Voilà, et bon, et après, il y a l'impact, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est aussi un aspect important auquel les instituts de recherche s'intéressent, à évaluer l'impact des travaux de recherche produits et vraiment au niveau de la société. Et donc, juste un petit point, je disais, c'est que souvent, cette innovation va venir aussi ressourcer la recherche. Ça veut dire qu'on va avoir aussi, elle va être source des questions de recherche. Donc voilà, donc ça, je reviens rapidement, donc mais bon, je l'ai déjà dit, hein, cette déclaration d'invention et des résultats valorisables peut donner lieu, en fait, à une diversité des types de protections que j'ai déjà nommées, que vous voyez ici, hein. Donc, on vient justement à l'instant d'avoir un exemple. Cette propriété intellectuelle a donné lieu à une formation, puisque dans le cas Karima nous a montré, il y a des formations qui sont faites, publications, on peut faire une licence avec ou pas, ou un lien avec une création d'entreprise, etc. Voilà, donc la propriété intellectuelle peut être différente. Donc, rapidement, à chaque étape, de ce processus, vous avez des experts et des expertes métiers qui sont là pour vous accompagner à chaque étape. Donc, au début, lorsque vous allez, par exemple, signer ou vous allez commencer à discuter avec un industriel, il faut signer un accord de confidentialité, et puis aussi la signature des contrats, avoir, donc là, les termes sont un peu barbares, donc je vais pas, IPP, c'est l'ingénieur projet de proximité, je crois. Donc, c'est au niveau du centre ou de l'unité. Donc, il faut la consulter par rapport pour qu'elle vous fournisse un accord de confidentialité. Ne jamais échanger sans savoir ni diffuser des résultats non publiés sans accord de confidentialité signé. Donc, 2 minutes. Oui. 2 minutes. Oui, voilà. Donc, voilà, donc on est là donc pour vous aider, n'hésitez pas. Donc là, j'avais mis un exemple, mais il a été donné. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un enjeu pour le progrès économique équitable. Ça veut dire qu'on essaye de protéger, comme je disais, les intérêts de la recherche publique. Donc j'avais mis un exemple de valorisation qui est fruit de nombreuses années de recherche parce que vous connaissez, donc qui est la prédiction par spectrométrie IR du potentiel méthanogène. Donc là vous voyez, donc je passe vite parce que je voudrais quand même dire un mot sur le partenariat. Donc là vous voyez justement donc un exemple. Donc très rapidement, innové par la recherche partenariale, mais bon ça je passe, je pourrais vous donner laisser les slides. Hein. Donc mon message est celui-ci, lorsqu'on fait un partenariat avec un industriel, c'est un questionnement éthique partagé. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit d'accord sur ce qu'on va faire avec ce partenaire. Toujours en tête, la défense de l'intérêt général et des biens publics, la qualité scientifique de la recherche et la responsabilité quant aux conséquences dont on s'impacte de la recherche. Pour ça, je passe. Donc, les labels, je ne vais pas parler des Carnot. En résumé, voilà, donc j'innove, d'abord lorsque vous innovez, je protège, je valorise, donc là il y a un petit pince-bête qui est distribué par INRAE, donc avec tous les astuces pour être protégé quand on fait de l'innovation, et pour aller plus loin, il y a des INRAE donc, a mis en place des webinaires qui sont à destination des INRAE et de tous les personnels des UMR INRAE pour les bonnes pratiques de l'innovation. Voilà, donc je n'ai pas pu parler de Carnot, mais bon, voilà, je suis à votre disposition pour des questions. Merci, merci beaucoup pour cette présentation donc, qui clôture
notre session sur la valorisation et les projets européens, les projets de réseau européen. Donc, est-ce que certaines personnes ont des questions? Vincent Baten, donc, est là pour animer avec moi cette dernière petite session de questions, s'il y en a, ou de remarques et de propositions. J'avais une question pour Diana, si je puis me permettre. Dans le nouvel appel européen, on fait la distinction entre les projets de recherche et des actions d'innovation et d'autres où c'est pure action innovation, donc innovation action. Et on spécifie, est-ce qu'au niveau INRAE, vous avez déjà identifié quelle est la manière de répondre à ces projets? Ou est-ce qu'on va répondre de manière classique comme on fait pour les autres projets, je dirais, dans Horizon Europe? Je pourrais laisser répondre Christine. Oui, peut-être. Mais c'est vrai que en général, c'est sûr, la différence, c'est que le TRL, donc le niveau de maturité technologique, n'est pas le même. Et que le porteur pour les IA, pour les Innovation Action, c'est en général, c'est un industriel. Alors que les RIA, ça peut être un institut de recherche. Guillaume, peut-être tu peux compléter. Oui, les IA ne sont pas nécessairement portées par des industriels, désolé de te contredire, mais effectivement, on attend une plus grosse participation des partenaires privés dans une Innovation Action avec des TRL plus hauts, exactement comme l'a dit Diana. La différence, ça va être vraiment au niveau de l'impact, mais il y a également une différence dans le financement. Et en fait, une des raisons pour lesquelles avoir des industriels qui coordonnent ces actions, ça va être aussi simple qu'on ne le croit, c'est que les partenaires privés sont financés à 70% sur les Innovation Action, que dans Horizon Europe, il y a même un certain nombre d'appels où ils sont financés uniquement à hauteur de 60%, alors que sur les RIA, tout le monde est financé à 100%. Donc il faut amener cette partie du financement, cette partie d'in-kind qui est un petit peu problématique. Après, INRAE et les organismes donc, de recherche publique coordonnent des innovation action. On en a assez peu, puisque c'est pas là où nos chercheurs sont le plus à l'aise, mais on a pu voir notamment que sur l'appel Green Deal, qui était le dernier appel d'Horizon 2020, dont le dépôt et les résultats ont été donnés maintenant il y a un mois, c'était principalement des innovation action et c'est principalement des organismes publics de recherche qui vont coordonner ces projets. Ok, merci pour la réponse claire.